aventure au Maroc, un pays où l'héritage culturel millénaire rencontre la passion bouillonnante pour le football. Ici, les montagnes majestueuses de l'Atlas se mêlent aux vallées fertiles, créant un paysage aussi riche et diversifié que le jeu que nous aimons. Le Maroc, terre d'histoire et de tradition, s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire, celui de devenir un acteur majeur sur la scène sportive internationale. Tout commence par la Coupe d'Afrique des Nations 2025, un événement qui fait vibrer le cœur de chaque Marocain. Les stades seront le théâtre de moments d'émotion, d'excitation et de fierté nationale. Ces infrastructures sportives emblématiques accueilleront la CAN 2025 et serviront de pilier pour la préparation de la Coupe du Monde 2030, en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. Le Maroc se prépare activement pour ces événements prestigieux, avec des projets de modernisation et de construction de stades à travers le pays, marquant ainsi son engagement à jouer un rôle de premier plan sur la scène sportive mondiale. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Maintenant, nous pouvons commencer. Le complexe Mohamed V de Casablanca est bien plus qu'un simple stade, c'est un symbole de modernité, avec une architecture impressionnante et des installations de pointe. Avec une capacité de 45 000 places, il se classe parmi les plus grands et les plus renommés du pays. Chaque siège raconte une histoire de passion pour le football et de fierté marocaine. C'est un lieu où se vivent des moments d'émotion, d'excitation et de fierté nationale, où la tradition rencontre la passion pour le football, créant un lieu empreint de significations multiples et de souvenirs inestimables. Le complexe Moulay Abdellah de Rabat, niché dans la majestueuse capitale du Maroc, est bien plus qu'un simple stade, il est un véritable monument du sport. Avec une impressionnante capacité d'accueil pouvant atteindre jusqu'à 53 000 spectateurs, il s'érige en majesté au cœur de la ville. Ce stade est entouré d'un écrin de verdure qui crée une atmosphère paisible, un contraste saisissant avec l'effervescence des rencontres sportives. Il est incontestablement l'un des plus grands stades du pays, un lieu chargé d'émotions et d'importance cruciale pour les événements sportifs internationaux. C'est ici que naissent les légendes du sport, que les victoires et les défaites deviennent des chapitres de l'histoire. Le complexe Moulay Abdellah offre aux passionnés un espace unique où se marient la grandeur du sport et la sérénité d'un environnement naturel exceptionnel, au cœur de la vibrante Rabat. C'est un lieu qui transcende le simple fait de regarder un match pour devenir une expérience profondément marquante, où chaque coup de sifflet est un instant de fierté pour toute une nation. Le grand stade de Marrakech, situé au cœur de la ville touristique de Marrakech, est véritablement un trésor sportif du Maroc. Doté d'une capacité impressionnante de 45 240 places, ce stade est bien plus qu'une enceinte sportive, il est un pilier de la scène sportive nationale. Il est reconnu pour son atmosphère vibrante, où chaque instant est électrisé par la passion des supporters. Le stade joue un rôle essentiel en tant que lieu de rassemblement pour les événements sportifs et les compétitions internationales, un endroit où les rêves des athlètes se rencontrent avec les acclamations des fans. Ce qui distingue le grand stade de Marrakech, c'est son cadre exceptionnel. Il est encadré par des paysages magnifiques, avec les majestueuses montagnes de l'Atlas en toile de fond. Cette fusion de la nature et du sport crée une expérience unique pour les amateurs de football. Les sommets enneigés des montagnes se dressent comme des gardiens bienveillants, tandis que le stade se remplit d'émotions et d'excitation. C'est un lieu où la beauté naturelle se mêle à la passion pour le jeu, où les montagnes et les tribunes se rejoignent pour créer une symphonie de couleurs et de sons. Le grand stade de Marrakech incarne parfaitement la richesse culturelle du Maroc et sa passion pour le football. Chaque match joué ici est une célébration de la fusion entre la nature, le sport et la fierté nationale. Il offre aux supporters l'opportunité de vivre des moments inoubliables, de vibrer au rythme des buts marqués et de ressentir l'unité au sein d'une communauté de passionnés. Ce stade n'est pas seulement un lieu de compétition, mais aussi un lieu de communion, où les souvenirs se gravent dans l'âme de ceux qui le visitent. Le stade Adrar, situé à Agadir, une ville côtière du Maroc, est un stade moderne qui peut accueillir jusqu'à 45 480 spectateurs. Son emplacement est particulièrement spectaculaire, offrant des vues impressionnantes sur l'océan Atlantique. L'architecture du stade et son cadre naturel magnifique en font un lieu attrayant pour les événements sportifs internationaux et les passionnés de football. Le stade Adrar est l'endroit où le rugissement des vagues de l'Atlantique se marie au rugissement des supporters, créant une symphonie unique de passion sportive. Le grand stade de Tanger, situé dans la ville portuaire stratégique de Tanger, se distingue par sa capacité d'accueil de 45 000 spectateurs et offre bien plus qu'une simple expérience sportive. Ce stade offre une vue spectaculaire sur le détroit de Gibraltar, où les eaux de l'Atlantique rencontrent la Méditerranée, créant un cadre d'une beauté exceptionnelle pour les matchs de football et d'autres événements sportifs. La géographie majestueuse se marie à la passion sportive, créant ainsi une expérience mémorable pour les amateurs de football, où la nature et le sport se fondent pour offrir une symphonie de couleurs, de sons et d'émotions.
Le grand stade de Fès, niché au cœur de la ville historique et culturelle de Fès, est un véritable joyau du Maroc. Avec une capacité d'accueil de jusqu'à 37 000 spectateurs, il se dresse en majesté au sein d'un environnement chargé d'histoire et d'architecture ancienne. Ce stade incarne bien plus qu'une simple enceinte sportive, il est imprégné de l'atmosphère unique de Fès et offre une expérience exceptionnelle aux amateurs de sport et de football. Entouré de l'architecture ancienne de Fès, ce stade crée une toile de fond inégalée pour les rencontres sportives. Chaque match joué ici devient un voyage à travers le temps, où l'histoire de la ville se mêle à la passion pour le sport. C'est un lieu d'importance capitale pour les événements sportifs et les compétitions de football, où l'émotion se marie à l'héritage culturel. Les spectateurs ont le privilège de vivre une expérience distinctive, où l'histoire et le sport se fondent pour créer une atmosphère unique et inoubliable. Le grand stade de Fès est bien plus qu'un simple terrain de jeu, c'est une passerelle entre le passé et le présent, où chaque match devient une page de l'histoire sportive et culturelle du Maroc. Le projet des nouveaux stades à Banslimane, en cours de construction près de Casablanca, au Maroc, est sur le point de devenir un impressionnant chef-d'œuvre architectural moderne. Avec une capacité prévue de plus de 113 000 places, il est destiné à devenir le plus grand stade d'Afrique, surpassant toutes les autres enceintes sportives du continent et se positionnant parmi les plus grands du monde. Ce projet ambitieux incarne l'engagement ferme du Maroc à jouer un rôle majeur sur la scène sportive internationale. Il ne sera pas simplement un stade, mais un monument à l'ambition du Maroc, un lieu où le sport, la modernité et la fierté nationale se conjuguent pour créer une expérience inoubliable pour les générations à venir. Ce stade repoussera les limites de l'architecture sportive, offrant une envergure et une grandeur qui refléteront la détermination du Maroc à marquer sa place dans le monde du sport. Le Maroc se prépare pour accueillir la Coupe du monde de football en 2030, en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. En préparation de cet événement prestigieux, le pays se lance dans d'importants projets de modernisation de ses infrastructures sportives, y compris la rénovation de stades existants et la construction d'un nouveau stade à Casablanca, qui devrait accueillir 113 000 spectateurs. De plus, d'autres stades à Marrakech, Agadir, Fès, Rabat et Tanger sont en cours de réhabilitation pour répondre aux normes internationales. Ce projet est le résultat d'un engagement fort du Maroc à marquer sa place sur la scène sportive mondiale. Ces stades, en cours de modernisation ou de construction, deviendront les témoins de la passion sportive du Maroc et de son désir de briller sur la scène internationale. Ils offriront aux équipes, aux supporters et aux passionnés de football une expérience de première classe lors de ces événements majeurs, créant ainsi des souvenirs inoubliables et des moments de fierté pour toute la nation marocaine.